Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo, ça sera pour vous présenter donc du coup la nouvelle Beautiful Box que je viens de recevoir et du coup vous avez exceptionnellement une vidéo samedi puisque en principe les vidéos c'est le vendredi, de temps en temps le mercredi quand j'en ai beaucoup à vous montrer, mais d'une manière générale c'est le vendredi à partir de 8h, vous pouvez regarder les vidéos qui sont sur cette chaîne. Donc exceptionnellement comme je l'ai reçue, je voulais pas trop traîner pour vous la filmer, pour que vous voyez un petit peu pour ceux qui auraient envie de la commander. Du coup, bah, ce qu'il y a dedans. Franchement, la boîte est encore très jolie au niveau du packaging. Je vais vous montrer ça tout de suite et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est la boîte du coup de la nouvelle année 2022. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, regardez avec plein de petits astres. La boîte est assez jolie, mais d'une manière générale, pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je la reçois maintenant régulièrement et que franchement, les boîtes sont vraiment super belles. Au niveau du packaging, vraiment, je trouve qu'ils font des trucs super sympas. À l'intérieur de la boîte, comme d'habitude, vous avez donc la petite fiche avec la routine qui est conseillée, on va dire. Les petites cartes qui sont pour chaque produit, vous avez une petite carte, genre, ça fait genre carte de jeu. Donc vous avez derrière des petites explications sur les produits, des remises si vous souhaitez racheter un produit que vous avez apprécié en fait, donc ça c'est plutôt sympa. Et bien sûr, ben, vous avez les produits à l'intérieur de la boîte. De ce que j'aperçois, ça a l'air plutôt pas trop mal, franchement, pour le début de l'année, la box commence vraiment très bien. À savoir bien entendu que la valeur du prix d'achat de cette box est beaucoup en dessous de la valeur des produits qui sont dans la box. Donc pour ceux qui aiment changer de cosmétique, qui aiment tester, essayer, enfin varier leur choix, on va dire, ben, n'hésitez pas à vous y abonner. Il y a deux possibilités d'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de vous abonner, donc ça c'est plutôt cool. Si un mois, par exemple, vous regardez une vidéo, ben, il y a un mois, il y a une box, vous craquez dessus, vous pouvez l'acheter sans vous abonner aussi. Donc ça c'est vraiment bien, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Enfin voilà, donc je vous noterai de toute façon sous la vidéo le lien de leur site, comme ça vous pourrez aller voir plus en détail du coup les modalités. Et à savoir aussi que l'avantage quand on est abonné à cette box, ben, c'est qu'à chaque fois on a des petits cadeaux en plus quand on est abonné. Donc ça c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc je vais vous présenter qu'est-ce qu'il y a dans la box. On nous dit accueillez les ondes positives de l'univers. Bonne année 2022. Ce mois-ci, dans votre routine cosmétique réconfortante, découvrez 6 exclusivités pour vous chouchouter au cours d'une soirée lunaire et magique. Voilà. Donc le programme, c'est la box réconfortante. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ma foi, vu le climat actuel, c'est plutôt la bienvenue. Alors, du coup, on va commencer par un exfoliant. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que les cartes sont rangées aussi dans l'ordre de la routine conseillée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc l'exfoliant coûte 29 euros au prix commerce, on va dire. Donc c'est un exfoliant enzymatique lune de miel qui est labellisé. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Donc c'est un petit exfoliant. Voilà, donc à tester. C'est un exfoliant sans grains. Alors moi personnellement, j'aime bien les exfoliants avec grains parce que j'ai pas la peau fragile. Mais pour des gens qui ont la peau fragile et sensible, alors je vais quand même le tester parce que du coup, moi je suis vraiment habituée à avoir des exfoliants avec grains parce que j'aime bien ça. Mais je vais le tester, voir ce que ça donne justement d'avoir un exfoliant sans grains. À voir, pourquoi pas. Le miracle du miel. Blueberries, fruits acides. À tester. Ma foi, ça peut être plutôt sympa. Ou à offrir, à voir, on verra ça. Du coup, prix marchand, je vous dis, c'est 29 euros quand même ce petit masque. Ensuite, on nous propose un masque pour les cheveux au nacre blanche. Ah, ça, c'est sympa, on avait eu une fois dans la box une espèce d'huile avec de la nacre dedans, qui était assez sympa, je trouvais quand même. Donc là, c'est un masque pour les cheveux cosmétiques au nacre blanche. La valeur de ce masque est de 18 euros, il est labellisé, il fait 75 millilitres. Donc il est comme ça. Hop. Donc c'est Biotalis la marque. Ce ne sont que des exclusivités Beautiful. Donc je sais même pas d'ailleurs comment ça se fait que ce soit des exclusivités, mais c'est plutôt sympa je trouve à tester. Donc bien sûr souvent c'est les produits labellisés dans cette box non testés sur les animaux. Enfin voilà, il y a quand même un bel effort fait par rapport à la box. Et je crois que c'est encore la seule et l'unique sur le marché qui propose ce genre de formule. Et à savoir aussi que tous les produits qu'on reçoit dans la box, ce sont des produits de taille normale. Ce ne sont pas des échantillons ou des produits, vous savez, taille voyage, quoi. Donc, c'est vraiment des produits entiers. Donc, ça, c'est plutôt sympa aussi, quand même, quoi. Donc, c'est un masque, je vous dis, pour le visage. Donc, pour les cheveux. Donc, ça, plutôt sympa aussi. En plus, le format est assez petit. Et ça, je trouve que quand on part, c'est plutôt pas mal, plutôt que d'emmener des gros trucs. Mais dans pas longtemps, je vais vous parler d'une routine capillaire que j'ai découvert et que je suis en train de faire depuis un petit bout de temps. Je vais vraiment vous le présenter parce que, franchement, enfin, voilà, je vous en donnerai des nouvelles.
Juste, j'hallucine. Ensuite, donc, on nous propose un sérum visage solide pour la nuit de Balade de Provence. Donc, c'est un sérum bio qui est solide. La valeur est de 25 euros, qui est comme ça. Alors, honnêtement, enfin, je sais pas, je trouve que 25 euros, ça fait vraiment cher. En même temps, le prix d'un sérum non solide, c'est aussi au moins 25 euros. Un sérum, c'est quand même quelque chose d'assez concentrant, on n'en met pas beaucoup, ça dure assez longtemps, donc bon. Donc là, c'est sous forme solide, donc ça fait une espèce de petit savon. Et donc en fait, au niveau de l'utilisation, ce genre de choses, il faut les mettre dans les mains. Vous savez, vous frottez pour laisser fondre en fait la matière, et après vous étalez ça sur le visage. Pourquoi pas à tester. Mais j'ai déjà testé plusieurs fois des crèmes solides, des choses comme ça. Je n'aime pas trop en fait, pour tout vous dire. Alors voilà. Donc ça, je pense que je l'offrirai peut-être à ma maman qui aime bien ce genre de choses. Voilà. Donc l'avantage, et ça je le dis, je le redis, c'est que quand on a des box, quand il y a des produits à l'intérieur, parce que dans le lot on va pas tout, enfin il y a des choses qui vont convenir ou pas d'ailleurs, mais l'avantage c'est que les prix sont tellement réduits, le prix de la box par rapport à la valeur des produits, c'est qu'on peut faire des petits cadeaux, et ça c'est vraiment sympa aussi je trouve, tout simplement. Ensuite on nous propose du coup pour les ongles, cette fois un dissolvant naturel, voilà, donc ça, valeur marchande de 12 euros, donc ça c'est un petit dissolvant, le packaging est assez joli je trouve d'ailleurs. Voilà, donc c'est sans acétone et à l'huile de ricin. Ça, c'est génial. En plus, le petit flacon est en verre, ce qui ne gâche rien, je trouve, par rapport à la qualité. Voilà, donc ça, c'est toujours utilisable, puisque je me mets rarement du vernis, mais de temps en temps, et pour le coup, ben, c'est bien d'en avoir du dissolvant. On nous propose d'ailleurs avec ce dissolvant un petit vernis à ongles, qui est All Tigers, vernis à ongles Cosmic Pink. Alors, il est juste très joli. Au niveau de la couleur, je ne sais pas si. Ouais, ça donne à peu près la couleur réelle. Vraiment, il est super sympa. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, celui-là, je le testerai, ça, c'est sûr et certain. La valeur marchande, il est de 9,80. Il est vegan. Je trouve que c'est un peu cher, puisque moi, j'en vends sur mon site de la marque Avril, je crois, genre à même pas 4 euros, la même taille. Donc là, on est à plus du double. Et chez Avril, de ceux que je vends sur mon site Biopure, vous pourrez aller voir, c'est aussi les compositions sont vraiment très 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 bien. Voilà, mais à tester, je ne connais pas cette marque et ça se trouve, elle est juste géniale et peut-être que les 9,80, ça les vaut. À savoir que moi, un petit pot de vernis comme ça me fait très longtemps parce que je me vernis de temps en temps les ongles, mais pas très souvent. Donc du coup, je l'ai souvent. Ensuite, pour terminer, je vous présente du coup un baume soin qui apaise, nourrit, répare pour les endroits sensibles en fait. Les coudes, les genoux, etc. Qui est plutôt bien aussi pour la peau et d'en avoir un, surtout en cette période hivernale. Écoutez, j'espère que cette box vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir sur leur site, du coup, ben, si vous voulez plus d'informations sur les abonnements. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à au mois prochain pour la nouvelle box du mois de février. Ciao!